Je m'appelle Pierre Bernard, je suis Scrum Master et coach agile aussi. Je travaille à Ipon Technologies, un cabinet de consulting, et on accompagne nos clients pour le développement de solutions logicielles. Aujourd'hui, je travaille avec des équipes qui sont à Lyon, à Paris, et il m'est arrivé aussi de travailler avec des équipes basées à Seattle et en Chine. Je n'avais pas possibilité de me déplacer pour rejoindre ces équipes. Je n'avais pas de solution qui me convenait pour pouvoir me permettre de continuer à garder cette dynamique et cette créativité que j'avais. Je travaille pour un client justement qui est basé à Lyon. Je travaille avec cette équipe-là pour pouvoir améliorer et développer le produit. J'ai grosso modo 5 étapes qui t'accueillent pour savoir un petit peu dans quel état d'esprit ils étaient après ces 2 semaines passées de développement. Et ensuite, je collecte des idées, je génère des idées et je décide ce que je vais pouvoir faire sur le prochain sprint. L'idée à la dernière étape, c'est tout simplement de conclure un petit peu sur est-ce que ce travail leur a permis de se dire les choses, de générer des idées et collectivement de pouvoir s'améliorer. Donc ça me permet aussi à moi de savoir un petit peu si ça leur a plu, s'ils ont réussi à donner tout ce qu'ils avaient à dire. Une fois qu'on a clôturé l'activité, je vais voir le compte rendu. Ça me permet d'avoir un certain nombre d'informations, donc mes activités, toutes mes captures d'écran que j'ai pu faire. Klaxon, ça permet de garder tout cet esprit de créativité, de tableau blanc, voilà, où les gens peuvent dessiner, crayonner, mettre des images, partager dessus et rebondir sur des idées de manière dynamique et surtout de les conserver.